Ok, donc j'ai dû couper, je suis allé voir les fins. Alors honnêtement, elles sont pas super intéressantes. Je suis un peu triste. Alors, si vous n'avez pas Cordite, Vic c'est son frère là, que nous on n'a pas récupéré, et que vous n'avez pas Lucia dans l'équipe, vous pouvez vous mettre en fait avec elle, avec Liberty. Le problème c'est que en fait vous allez directement avoir la fin et un épilogue et c'est fini. Voilà. Apparemment, de ce que j'ai vu. En fait, son armée devient extrêmement puissante, parce que nous, on est avec elle, du coup, elle renverse son père, et elle gagne. Et c'est tout. Et voilà, y a rien d'autre après. Après, vous pouvez donc la combattre, la tuer, après, vous pouvez l'arrêter. Donc, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'arrêter. On va l'arrêter. Tout simplement, parce qu'apparemment on peut tout simplement l'arrêter, c'est fou. Et après, on peut donner l'armée à Cordite, en fait, son armée là de mecs qui se coupent les membres et tout ça. On peut lui donner l'armée, ou après on peut se rebeller contre lui, et du coup il va quitter notre groupe. Donc moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc si je dis pas de conneries, il va se rebeller contre nous. On va voir un truc. Honnêtement, c'est pas. J'aurais pensé qu'il y aurait un peu plus avec elle, mais au final, pas vraiment. Je suis un peu triste. Ironclad Cordite. I was wondering what made, but that only by ruling a world in chaos, you've got both my brother. Is that so? Liberty. That no. Donc on fait ça. Genre gros dur. Suppose it's true. The warlords don't like a loser, and they will see this as a defeat. Fine. I can play the penitent daughter until the old man dies. Voilà. C'est un peu débile quand même. Liberty, c'est la grande badass. Genre, elle est mieux que ses frères. Elle est plus puissante parce qu'elle a récupéré tous les clans là de fous. Elle a des robots et tout avec elle. Machin. Et elle est très violente et tout. Puis on lui dit ça. Puis elle, ah bah bon bah c'est vrai, vous avez pas tort, donc j'arrête. Et puis voilà. Voilà, c'est notre prisonnière. On a gagné. C'est bien, hein? Bon, Liberté Usana, elle a envie et prête à être coffrée. Liberté est prête pour aller en cellule. Nous avons repris notre part du contrat. Nous allons anéantir le gang de Liberté. Il ne reste plus qu'à mettre l'ombre à cette garce. À l'ombre à cette garce, ok. Nous avons Liberté, elle a envie et prête à être coffrée. Voilà. Voilà. So much for the daughter. Now for the father. I will not be satisfied until I see Buchanan dead at my feet. Are you ready to take down the patriarch? Alors là maintenant, si on dit oui, il y a beaucoup de gens qui vont quitter notre groupe. Donc il y a Lucia, je crois bien. Je crois que Quan aussi. Si vous amenez les coefficients quadriques, Paleos serait pas de trop. Is that really what you want? I can't guarantee I can keep them in check. Might get a lot of collateral damage. Je sais pas, on fait venir, mais il faudrait. Mais on peut pas leur lui dire non? What the hell, Rangers? The gangs will destroy Colorado Springs. If you bring them, I'm done with you. Quan's right. You must be mad. The gangs will tear our town apart. I refuse to have any part in this. Okay. Ouais, okay, on fait ça sans les gangs. Jesus, thank you. You scared the shit out of me, Rangers. Thank the Lord. Fine. The gangs will stay here until I return and prepare for the march to Kansas. Let's ride. Donc on peut pas...
Huh. On peut pas se retourner contre lui en fait. Intéressant. Oh merde, c'est crocheté. Ah mais on a un robot qui nous suit, j'avais pas vu. Me dis pas que la clé elle est sur... C'est piégé ça? Ok, explosif. La clé elle est sur la dadame. La blague. Du coup on a les... Putain il faudrait revenir avec les bons persos quoi. Mécanique. Crochetage. Crochetage. Crochetage niveau 6. Pour sauver le père. Et ils sont tous partis maintenant. Ah non. Ouais donc si on fait venir les gangs... Si on fait venir les gangs, les autres ils partent. Mais on est là du coup on est bloqué avec Cordy, j'ai l'impression. Par contre je vais aller prendre... Oh putain, ferme ta gueule. Je vais prendre les... Jodie et Zeus je crois. Qu'est-ce que c'est que... C'est qui ça? Ah, c'était pas le mec qui nous avait filé la mallette, ça, je crois? Yield return sensor config. Il tend la main sans que vous lui passiez la mallette. Bon, on l'a toujours. Voilà, tu vois. Compiler report. Zero errors. Zero warnings. Running constructors. Ceci pose la mallette au sol et presse le bouton sur une petite commande à l'intérieur de sa robe. La mallette s'ouvre et se déplie, puis le panneau d'intérieur se replie au même processeur. Qu'est-ce que c'est que ça? On a récupéré une nouvelle armure. Ce bordel nucléaire, si la chef du casque indique la puissance de sortie, la puissance du réacteur et de l'intensité du rayonnement, les compteurs sont toujours au maximum. On vacille jamais. Tes jambes sont trop lourdes pour être utilisées sans moteur. Heureusement, les cellules sont encore bonnes pour 80 siècles. À l'intérieur de chaleur de réacteur, putain, c'est énorme. D'accord, c'est juste une. C'est juste une armure avec énormément de défense, d'accord. Armure niveau 30. Je pense qu'on aurait eu plus d'expérience aussi à tuer l'autre. Mais c'est pas grave. Tu vois un peu comment elle est? Ouais, pas très jolie. Ouais, elle est pas très très jolie en fait quand même. Je vais être honnête, c'est pas mon style. Je préfère la Spectrum. C'est Thunder que je voulais dire. On reprend Thunder, pas Zeus. Par contre... lui, à Zeus, on peut lui mettre... Ah non, c'est... Nucléaire, pas nucléaire, pardon. Ouais, bof. Je trouve, honnêtement, je trouve pas ça bien. Je trouve vraiment pas ça top. Bref, parce que je suis en train de me perdre, désolé. Donc toi, je sais pas si on te garde encore. Fou là là, quel bordel, putain, ça me rend fou. C'est pour ça que j'aime pas la fin des Westlands à chaque fois. Ah mais là, du coup, je pourrais jamais revenir
Parce que je suis sûr que quand on va être au QG, en fait, on va être bloqué. On est d'accord. Quasiment sûr de ça. Ce qu'on va faire, on va tirer sur la porte. On va tirer sur la porte. Je suis quasiment sûr que je pourrais jamais revenir. Normalement, je peux tirer. Ah, ferme ta gueule, toi. Sympa d'avoir un robot qui nous aide. Normalement, on peut tirer, on est d'accord. Voilà, très bien. Nickel. Thank you for the rescue, friends. Forgive me for not looking my best. These savages haven't allowed me a bath or a change of clothes since they kidnapped me. Daddy? Oh, thank God I found you. I've been... Peaches, you're alive. I can't believe it. Mais on devait pas le questionner pour ses choix bizarres à lui. Mama and little Percy are dead. The Dorseys killed them in the Garden of the Gods. I couldn't protect. Hush, Lucia, hush. You would have saved them if it was possible to do so. I know that. Aren't you the bravest daughter that ever was? I tried to be, Daddy. I went after Nelius Dorsey to get my revenge. The Rangers and I found him and confronted him. Mm-hmm. You talked to Nelius? I pulled the trigger on him myself. Mama and Percy, I got justice for them. Mais avant de mourir, Nelius a affirmé à Lucia que vous aviez tué sa famille sous ordre du patriarche, c'est vrai? It's complicated. Oh. I... No, no, it's not. I won't lie to you, Lucia. Not when you're all I have left. Nelius told you the truth. Oh, Daddy. I'm sorry, darling. Truly. You see, years ago, the Patriarch asked me to get some men together and disrupt a meeting of the Dorseys, who were agitating to establish elections in Colorado. Saul, he didn't feel it was time for that yet. Wow. So we showed up in hoods, brandishing clubs, ready to teach them all a lesson. But it only took one Dorsey fighting back, and I started shooting instead of swinging. I was just... so mad that they'd turn on the man who had saved us all. Well, once one was dead, we had to kill the rest, didn't we? I mean, we couldn't let my sins tarnish Saul's reputation. So we hunted him down. Until Nelius showed up at our doorstep, I thought we'd got them all. Personne ne s'est ordonné de tuer les Dorsey, maintenant vous voyez en pleine tronche et ça seulement la vôtre, tout couleur de Spring. Not in so many words. Maybe I just thought that's what he wanted. He certainly wasn't displeased when I told him what had happened. He just told me to be damn sure I got all the witnesses. And we never spoke of it again. Oh, Daddy. Mama and Percy. You... They'd still be alive if you hadn't killed those Dorseys. It all comes back around to you. What do I do now, Rangers? Bah, what do I do? Tue-le. With my father. Alors, l'exilé, c'est que ça va être le malheur. Moi, ça finit d'Orsay, pas lui tourner, laissez-le rentrer.
Agissez de manière civilisée, ramenez le chelu devant le tribunal. Il doit payer pour ses crimes, pour le dorser et toute la douleur qui a suivi. Are you saying you want to kill him? Ouais. No. No way. Never. I die first. Ah oh, putain. Qu'est-ce que... Si vous le tuez pas, nous le ferons. Soit dans ce cas, envoyez-le en exil. C'est bien qu'il ne peut pas revenir. That seems fitting, but... But it's a hard thing to exile your own kin. Je vais être honnête, c'est parce que si elle part maintenant, elle a plein d'armure sur elle. J'ai pas envie de recharger la partie pour enlever son armure. No, Peaches. The Rangers are right. I don't deserve to go back. Liberty would not have had the Dorseys to rely on if I hadn't been an angry fool all those years ago. I'll head east. See where the wind takes me. I love you, Lucia. Never forget that. Ah, c'est ça. Be a better Wesson than I was. Magasin pour tir rapide. Gardien. I just need a little time to rest and gather supplies before I head east. Bon, ça on s'en fout. Merde, j'ai bloqué du coup la radio, désolé. Parce que j'ai déclenché la conversation. S'en fout, juste que ça saigne. Bon, en tout cas, on a... Bon, bah on n'écoute pas la radio, c'est pas grave. On a plus que le traître à faire. Donc, Cordit, là, on est obligé de... On va l'équiper, de toute façon on est à la fin. Merde! J'équipe la mauvaise personne. Désolé. Ça commence un peu à me fatiguer honnêtement. Ça commence un tout petit peu à me fatiguer. Et qu'est-ce qu'on lui avait mis? On lui avait mis... Ouais, dégâts de mêlée, on peut lui mettre ça. Je crois qu'on lui avait mis Techno Cyborg à la place. Ouais, maintenant, vu qu'il a une arme électrique, autant lui mettre ça. Enfin, Techno Cyborg, je veux dire la main, quoi. Bon, du coup, on rentre au QG, ben, on tue le patriarche, et puis voilà. Et je crois que tuer le patriarche, ça va faire partir plein de gens. Enfin, je sais pas, on verra. C'est un peu limité au final, je suis un peu dégoûté. Passer, machin. Vous reçoit. So, give me the news. Is Liberty Buchanan handled? Bien reçu. Elle a été arrêtée et elle est en route pour le QG des Rangers. Ready to help with the second part of the plan. It's time to bring the fight to the Patriarch's palace. Are you with me? On est avec vous, on survit à quoi navré votre vision de l'avenir du colonarien de réaliste. On est du côté du patriarche. La raison... Ça, c'est bien qu'on puisse vraiment changer, même au dernier moment, on peut encore changer. Quand... Ça, je l'ai dit plusieurs fois, hein, mais dans Westland, c'est vraiment cool. Et on a besoin de l'aide du patriarche, monsieur le plan du général Woodson navré. Ouais, on est avec elle. Bad news too. The patriarch knows you're coming. He's got the city locked down tight. Your only way into downtown is through Ranger HQ. So head that way. We'll see Dead Red out. Ça marche. Ouais, y'a plus d'endroit quoi. Qui a monté le niveau, toi? Faire ça, parce que je sais pas pourquoi. Ah, il y a la musique de fin.
coup on rentre. Attends, on peut ? Ouais, voilà, c'est ça que je voulais faire. Ça va plus vite. Bon, on va mettre fin à ça. Puis on verra qui reste avec nous. J'ai des rangers, c'est parti. Je sais pas trop ce que ça va donner. Ah ouais, d'accord, ça a tout changé quoi. On va défoncer le patriarche, ça nous prend un petit moment, je pense. Faudrait qu'on refasse notre équipe par contre. Je voudrais vraiment bien refaire l'équipe. Ah, elle est là. November, thank God you're here. We got ourselves a situation. Some of your recruits have sided with the patriarch and they're keeping us out of the base. And we need to get into the base. Okay. If we're gonna take down Saul, we gotta get you and your truck downtown. Unfortunately, he knows we're coming and he's blocked the city gate. There's another way, but we gotta get to the war room to use it, and these fools are in the way. Qui s'est retourné contre nous? Connie says about half the base. As soon as you radioed in that you were coming for Saul, they revealed themselves to be patriarch lovers and started shooting anyone who wasn't. We came running to help, but they had the doors covered and we had to back out. On top of that, some of your friends and associates here want to join the other side, so we've been having kind of a standoff out here. You better talk to them and see who's with us, and who ain't. Ok, ça marche. Très bien, allons régler ça. Si on a vraiment le temps avec ça, à régler ça. We were about 5 seconds from shooting each other. Alors, on va voir qui reste avec nous. Ok, on peut demander à tout le monde, ça marche. Alors, Quan, qu'est-ce que vous comptez faire ou aider trop pardon. Est-ce que vous comptez nous aider à faire tomber le patriarche? Man, I was hoping it wouldn't come to this. You know I'm not Saul's biggest supporter. How can I be, when I've seen how the sausages get made all these years? There's a lot of ugly shit that goes into keeping Colorado strong. On the other hand, I've always been more of a change the system from within kind of guy. Okay. What you folks are proposing is quite frankly bananas and liable to get a substantial portion of Colorado killed. Du coup, so no, I won't help you with your coup. Oh, man. And if you let me go, I'll probably mosey downtown and line up with the marshals. So what now? Alors, si vous laissez partir, je vais certainement au centre pour rejoindre le marshal. On connaît pas trop bien quoi, vous serez un ennemi redoutable et que vous verrez tuer sauf une balle entre les deux yeux. J'ai bien peur qu'on doive vous arrêter, quoi. Du moins que toute l'histoire soit réglée. Fair enough. Guess that's as good as I could expect. Ok, donc on a. Right, who's next? On a le choix en fait entre sûrement le tuer et ouais, l'arrêter. Par contre, l'équipement, donne-le moi, quoi. Alors Lucia, vous savez que le patriarche n'est pas celui qu'il prétend. Vous en avez pris ensemble, on tiendrait écouter la suite. Lucia, je crois pas qu'elle va rester avec nous. I have witnessed a darker side of the patriarch in my time with you Rangers. It is true. Ah. But I wanted to believe these oppressions and brutalities were acts of a desperate man in desperate times. I hoped that when his children's ambitions were curtailed, Mr. Buchanan would return to the rule of law, and Colorado would be a just land once again. But when I spoke to my father, my eyes were opened to the truth. Peut-être qu'elle va rester avec nous. The story of how the patriarch ordered the massacre of the Dorseys for advocating democracy proved to me that Buchanan has always been this way, and that Colorado's miraculous peace and prosperity have been won with lies and secret murder. Mais du coup, I cannot support him anymore, Rangers. Yes. My gun is yours. Ah, tu gères. Of course I am. Ah, bah lui, oui. I left all my squeezins inside. I'm coming back in there come hell or high water. Okay. I will carry his head to Kansas. Ouais, au final, lui, on l'est obligé.
Je crois que lui, en fait, on est si on va dans son sens, là, quand on est arrivé à Yumi, ou je sais plus quoi, là, l'endroit où il y avait la fille, je crois qu'on est obligé, en fait, de rester avec lui. On peut plus retourner contre lui, en fait. C'est, si on le prend pas dans l'équipe, il se casse, en fait. Ou alors, quand on parle au mécanicien et on dit que, désolé, Cordite, on est contre vous maintenant, c'est à ce moment-là qu'en fait, on se tourne contre lui. Mais c'est tout. Mais une fois qu'on a franchi ça, je crois qu'on peut plus le sortir, en fait. Donc comme j'ai dit, ouais, on est obligé de rester avec Cordite maintenant, du coup. Pepsi, je crois qu'elle reste avec nous. Affronter le nôtre sera pas facile, mais si on veut finir avec le personnage, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que vous serez capable? It's not just that, friends. This wasn't the mission. Everyone in Arizona is counting on us to deliver the patriarch's aid. And if we do this, they could starve. Pourquoi elle a... Ah non. Mais non, des conneries. I'm not blind. Fidèle. I've seen what you've seen, and I trust your judgment that the patriarch is not someone the Rangers should associate with. So, though I'm going to hate every minute of this, I'm with you. Genre bon, d'accord. Alors ça va foutre la merde, mais je suis quand même avec vous, ok. All I ask is that you finish the mission. Ouais, ouais, ouais. Once we take down the patriarch, get the supplies to Arizona any way you can. Oui, ça on va le faire. T'inquiète. Alors Jodie, putain, j'espère qu'elle reste. Alors je sais que vous n'êtes pas engagé pour ça, vous savez maintenant qu'il est vraiment le patriarque, vous voulez bien nous aider. Oh, Rangers, I know Buchanan's a son of a bitch, and I know he's not doing right by the people of Colorado, but I'm here for my mom and dad back home. Yeah, oui, mais on va envoyer les ressources. If I thought you'd take care of them in Arizona after Buchanan was ouais. gone, I'd hold my nose and join you. Ouais. You've been worrying me lately. Qu'est-ce qu'il y a? You just don't seem to be thinking of Arizona and the Rangers first anymore. Et pourquoi? Pourquoi elle dit ça? Qu'est-ce qu'on a fait? I'm sorry. I can't do this. I gotta go back and help my folks. Sorry. Good luck, and I hope to hear good things. Bah, pourquoi elle dit ça? Qu'est-ce qu'on a fait qui... Right, who's next? Oui, tout ce que vous voulez, dites comment vous rendre avec ce centre-ville. Right. Like I was saying, the patriarch knows we're coming, and there's no easy way to get your truck to him, as he's blocked the main city gate. Okay. Fortunately, I know another way to get the truck downtown, but we'll have to get into the war room to access it. And that's where the Buchanan-loving Rangers are holed up with everything locked down. Je suis en train de me dire qu'on va peut-être pas pouvoir récupérer Thunder, et là ça va me rendre fou, quoi. On a un camion, on va passer en train de en pied. Comment pouvez-vous entrer dans la salle de cri? Comment comptez-vous amener le camion au centre-ville? So while doing my homework on this place, I learned there's a secret tunnel which leads directly from here to an elevator under Market Square, where the patriarch is planning on making his last stand. Once you're in the war room, all you gotta do is use the computer to open the tunnel and power up the elevators. Then you'll be able to drive your truck right under old Saul's feet and come up behind him. The system is called the Emergency Evacuation Tunnel, or something like that. Mm-hmm. Look for it in the computer's menu. You'll have to override the lockdown the troublemakers put in place by accessing the system from the computers in the garage and break. I wouldn't if I was you. From what I'm hearing, the Patriarch's driving some kind of super tank. You won't stand a chance against him without some cavalry of your own. Okay, donc il a un tank, le mec. Your call, of course, but I'm planning on coming with you. So, if only for my sake, bring the truck. Ça marche. It only gets simple once you're in the war room. Before that, we gotta fight your former friends. Yeah, I said we. I'm gonna leave my crew out here to make sure the Patriarch doesn't end run us, but I'm coming with you. Okay. Time to get my hands dirty. Let's get going. Ça marche. Reprends le contrôle du QG. Ah, dis-moi qu'on voit. Yes, Thunder, Thunder. Ouh. Ah, Thunder. Alors, du coup, bah, ce sera Cordite et Lucia. Les membres des soins ne peuvent pas être modifiés qu'à partir du QG des Rangers. Ouais, on est bon là. Putain, dis-moi que j'ai récupéré
Yes, ok, il me donne l'équipement qu'il avait. Parce que j'ai pensé à ça, peut-être qu'ils vont nous donner son équipement. Ça va, ils le font. Ça marche. Alors, toi... Ouais, on a une nouvelle armure, mais honnêtement... Enfin, elle est sympa, hein, mais... Je sais pas trop si on a besoin de cette armure. Là, il y a celle-là qui est vachement... Enfin, on pourrait la changer. 31. Non, 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 c'est mieux de garder le mêlée. Bonus dégâts mêlée, bonus dégâts mêlée. Je sais pas s'il y a une tête pour ça, pour cette armure, sûrement. La feu et machin, c'est très bien. Science étrange, tiens. Du coup, il fait du feu et de la... Ouais, ça a augmenté les dégâts, c'est très très bien. Toi, t'as augmenté aussi. On va te mettre un peu plus de force. Et vu que t'as 2 points, on va faire ça. Par contre, est-ce que... Y a elle, en fait. 22... Il y a que elle, on pourrait lui mettre l'armure nucléaire, en fait. Enfin, je crois que c'est mieux, quand même, de la mettre à lui. Combien de force pour ça? Il faut 8 de force. Elle a pas 8 de force. Non, si, elle a 8 de force. 51, 54, 74. La Spectrum 48. Ou alors nous on prend la. Non, le 48 on passe à combien? Je vais voir. Là, c'est 50. Bon, ça marche. Moi, je voudrais courir plus loin. d'armure. Elle est pas très... Elle est très moche. Honnêtement, j'aime pas du tout. Hein. Elle est super moche, mais bon. Au moins, il y a de l'armure, quoi. C'est bon, je pense qu'on est prêt. Non, pas toi. On a un robot avec nous, on a 2 robots avec nous, on a un clone et on a l'ourson. Et il y a Angela. Angela Depp. Je suis en train de me demander si Angela, elle n'était pas déjà avec nous dans le 2. Ok, ça va. Bien joué. Tout ça parce que j'utilisais pas elle. C'est elle qui a la perception. Après, c'est mieux que ça soit le Sentinelle qui ait une grosse armure. Peut-être, parce que comme ça, lui, il peut réanimer facilement et tout. Puis il se balade beaucoup, j'en sais rien en fait. Ok, ça c'est les soldats avec nous. Ça c'est les méchants. Vous voulez vraiment qu'on tue tout le monde? Genre, vraiment, vraiment? Ça va être chaud quand même.
Enfin, on va rentrer dans le garage. Enfin, le garage, c'est ça. Bon, allez, c'est bon. Allez, on va tuer tout le monde. Place au combat. On a assez discuté. Ça, c'est bon, ça me gavait. Let's go. Oh putain, c'est un laser comme ça en plus, le machin. Ça passe à travers les murs. Mais c'est débile, ce truc. Ok, d'accord. D'accord, c'est un peu abusé, en fait. Oh, tu vas me dire qu'avec le lance-flamme qu'on a changé, là, maintenant, elle peut... Elle a la bonne distance. Ouais. Oh, ça tue. Ça, c'est... Oh, ouais, ouais, le lance-flamme augmenté. Ouais, non, c'est abusé, en fait. Ah, merde, mais c'est elle, putain. Les mecs ils sont résistants quoi. Très bien. Je sens que ça va prendre un petit moment. Lui, il devrait exploser. Il a la surcharge. Oh la vache. Non mais sérieux, vous avez que des... Il faut vraiment tuer ceux qui ont des trucs à énergie. Ah, on passe un peu pour des cons, hein. Wow, t'es trop utile. C'est bon, on peut jouer. Okay. Le mec, on lui a mis une armure énorme. Et ces connards, ils ont que de l'énergie. Ça, si c'est pas une blague, quoi. Ça. Ah
T'as combien de PA 3, 4, 5 on va faire ça. Vraiment tuer tous ceux avec de l'énergie. Nickel. Faut qu'elle tue tout le monde. Voilà, elle, très bien. Pas mal. Ah, c'est vraiment tout ce qui est énergie en fait. Après le reste, ça va, on gère. Enfin, en théorie. En théorie. Ouais, le combat, c'est un peu chaud. Ouais. D'accord. Honnêtement, ils sont quasiment tous... Ah, mais elle a pas de PRL. Pardon. Ça a mis une bombe hein, son point là, sympa. Enfin je crois que c'est sympa, je suis pas sûr. Je crois que ça suffit comme nombre de balles. Merde, il y a un mec à droite. En train de cibler qui là, okay. Ah ouais d'accord, mais ça va être relou là. Non mais... Ah va me casser les couilles quoi, louper comme ça. Ready to continue. Quelle merde. Voilà, bien joué.
Lui, il devrait exploser. Je sais pas. Je sais pas quand ça explose, en fait. Je crois quand il meurt, peut-être. Ouais, bof. Putain, t'es nul, Angela. C'est chaud. Vraiment nul. Que tu nous as balancé une... Non, c'est une trooper. Ouais, non, ça va, c'est pas intéressant. Le vortex polaire, est-ce qu'on le met ou pas? Je suis en train de me demander si on devrait pas le mettre. Là, j'en sais rien. Crochetage, putain de merde. Nickel. On va enlever les blessures. Bon, on a des grosses armures, mais ils prennent cher. Après, il y a un truc aussi. C'est peut-être que les gens, ils ont des avantages genre ça, là. Des dégâts d'énergie infligés, 0,5 points de dégâts bonus pour chaque point d'armure de la cible. Donc il y a peut-être ça aussi. Hein. C'est peut-être pour ça qu'ils nous massacrent. Ah, le docteur. Il est de notre côté. Ouais. And then what? Move on to the city to keep the murder spree going, right? C'est ça. The Rangers are fucking depraved. Of course, no sense in bleeding all over the place. Have a seat. Merci. If it ain't cut, don't stitch it. I don't want to die like my clones did. Please, please make it stop. T'inquiète. Bon, bah, je crois que ici c'est fini. Caisse d'armure, fais voir. Toi, tu fais bien mal sur les portes. Bien joué. Spectrum. J'ai touché le chat ? Je sais pas. Quel... Ah, il y en a du monde. C'est cool. Yes. Traitors. Bien.
Là, on a du mêlée, de la mitrailleuse lourde, des pistolets. Ça va. Toi, t'as quoi? T'as rien. Je peux me mettre nulle part, c'est cool. Crochetage aussi. Un truc. Ok. Il fait boum. Ok. Ça se passe bien. J'aurais pensé que ça aurait été un peu plus... Je sais pas. Non, enfin c'est normal ce qui se passe. Il n'y a rien de très extraordinaire en fait. Après les combats ici sont un peu compliqués, il n'y a pas vraiment d'endroit pour se placer. Qu'est-ce que t'as, Angela? Ça traverse les murs, le machin. Ça fout pas le feu en fait ces gants, c'est vraiment c'est vraiment charge explosive. Non, 100% de chance d'appliquer une charge explosive. Mais c'est des dégâts de feu. Donc du coup ça ignore les armes. Travers le mur.
GG. On n'a rien vu. Allô? Prenez. Non? Ok. Merde! C'était quoi tout ça? Ok. Là du coup on prend les mecs à revers. Ouais. Oh la vache tout ce qu'il y a. On est mal mis là. Qu'est-ce qu'on est mal mis? On va mettre Fury là-dedans, je sais pas si c'est une bonne idée, mais... Tente un truc complètement con et c'est parti. On a 73 d'armure sur Sentinelle, t'inquiète pas que les mecs ils font très mal. Hein. Ah, t'es chier. Fallait vraiment qu'il tire un coup sur Fury quoi. Par contre, faudra un mode accéléré parce que quand il y a plein de dead, plein de joueurs en plus, c'est une catastrophe. Tu veux pas partir, l'ours, honnêtement, parce que là j'ai une belle brochette pour le lance-flamme. On peut pas se mettre là. Pardon, c'est pas ça que je vais faire ça.
Il y a un truc aussi, je sais pas pourquoi on est bloqué à 95% de précision. Genre, je sais que c'est leur choix, mais c'est un peu débile quand même. Ces combats, alors ils m'amusent pas du tout quoi. Ah mais on a un mec derrière nous. Mec derrière nous, j'y crois pas quoi. Non, honnêtement, c'est pas fun. J'avoue que c'est vraiment pas fun. Il y a trop de monde à jouer, c'est trop long, ça prend la tête. C'est même bordélique, honnêtement. Qui vient de mourir, c'est pas le mec qu'on avait sauvé, genre de la pendaison, enfin non, de la, pas la pendaison. Fait un gros boom. Sans déconner. Ok, pas mal. Nique ta maman. Après elle est mal mise hein, mais bon, il n'y a pas de full cover. Enfin non, elle est derrière une full cover, ça c'est des full.
Ouais. Je pense que je vais faire ça en plusieurs fois parce que ça commence à me saouler en fait. Ça me fatigue. Non mais on est bien d'accord que... Ouais, 73%. Bon d'accord, c'est pas du 95, mais quand même. Ah non, c'est bien une full cover ça. Après, bon, il fait de la surcharge avec des armes à énergie, hein. Évidemment qu'il va faire extrêmement mal, j'avoue. Bon, c'est bon, on a gagné. Après ce combat, je m'arrête. Madame figurant. Là. C'est quoi ces pourcentages pourris? Wouah, 14, mais 14, j'ai imaginé 14 de dégâts avec la baïonnette. Je sais pas ce qu'il faut hein, pour cette arme. Il faut du mêlée et du pistolet auto du coup. Ah oui, il reste quoi? Ah oui, putain, mec là. Allez, vas-y, brûle-le. Brûle-la. Merci. Ah, putain. Après, je suis quasiment sûr qu'on n'a pas besoin de faire tous les combats. Genre celui-là, je suis sûr qu'on aurait pu le zapper. Je pensais que ça... On va se faire soigner. Je pensais que ça allait m'amuser le dernier combat. Mais au final, pas super amusant. Je sais pas pourquoi.
Everyone is killing each other here. And I'll have a seat. Bon. Fine. Just... Très bien. Je vais voir là l'écurie. Là. Enfin, pas l'écurie, mais. L'endroit où on entrepose, on garde les animaux. Oh mon dieu. On a des chiens. Nickel. Ok, maintenant il faudrait aller où? À droite? Juste un peu avancer. Ah, ils ont tout, ils ont foutu des bombes et tout, quoi, c'est ouf. Les réfugiés, ils sont avec nous ou merde? Attends, y'a rien là normalement, pourquoi y'a une barricade? Encore des os. C'est pas l'autre qui s'est échappé? Genre il tue les gens? Vous savez le... Waouh, bien joué. Bien joué. J'aurais été sûr qu'à un moment elle allait passer comme une débile. Ouais, genre celui-là qui avait l'air un peu cannibale là. Enfin, moi je lui faisais pas confiance, c'est pour ça que je l'ai pas sorti le mec. Peut-être ça, hein. Bon, on fait voir les réfugiés. Ah, ça s'est mal passé. Wouah! What the fuck? Ils ont tué tous les réfugiés, les autres. Elle est avec nous, Hope. Welcome to Hell, Rangers. Ouais. I hope you can get a handle on the situation. All's well here, at least. We've kept both sides out of the brig so far, and all our charges are secure. Okay. What can I do for you? Parfait. Mama Cotter has been a little difficult, I'm not gonna lie. I don't think I know anyone that uncompromising about their ideals. I don't even think she's that wrong. She just went about, okay, but she did break the law. So, so, ceci so, les bonnes intentions, ça marche. Good luck out there. Là, bah alors. What's all that shooting? Rangers! I demand you vouch for my safety. Ça va, Liberty? Imbeciles! Colorado is only held together by the will of the strong. Your foolish idealized quest will bring it to ruin. On a arrêté tout le monde, c'est plutôt cool, je trouve. Sounds like you're having trouble out there. Oh, I'm here, you gumshoes! I didn't want to die in here. Ma maman là, on a toujours le fou là-bas. Au final. Y'all killing each other? Good. A whole lot of noise a while ago. Like shooting and stuff. You heard that too. It's just me. Merde, c'était quoi? Lorsque vous voudrez vous mettre de quelques criminels. Clé du maître des cellules. Ah, ok.
Mais là, il n'y a rien. Ah, il y a H. Oui, il y a V qui est là et H. J'ai oublié. Est-ce qu'on peut les tuer? Oh, le truc que ça fait. Pousse-toi, Cordite. Je sais pas, on tue les prisonniers. Désolé. Bon, j'arrête de m'amuser. Il est marrant ce fusil sniper. Bon, j'avoue que c'est marrant le truc de froid comme ça là. C'est un peu arme ultime en fait, j'avoue. Et le cutter, bah, il faisait pareil. Mais je pense que c'est possiblement aussi une très bonne arme, mais bon. J'aimais pas trop le style. Ah oui, mais du coup, elle a pas son tir spécial. Elle l'a que avec lui. Ouais, la charge chirurgicale en fait. La frappe, pardon. La frappe chirurgicale, du coup, elle l'a pas. C'est un peu embêtant. Enfin, bref. Mais du coup, il faut aller où? Ah, ça? Non. Qu'est-ce qu'elle nous avait dit? Je vais voir un peu. Pour la prochaine fois, les informations communes du QSN Clé devront reprendre avec QG et Ranger. Devront notamment accéder à la salle de crise pour ouvrir l'accès arrière du couloir de Spring. Mais elle est bloquée par les terminaux de sécurité sur les garages armurés. C'est... Ah oui, d'accord, faut s'occuper des ordinateurs en fait. D'accord, ça marche. Bon, je fais ça et après ça va ouvrir la porte du centre, je pense. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Nickel. Qu'est-ce que t'es, toi? Qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es perdu? Je peux même pas prendre un niveau, c'est ouf. Ouais. Après, je suis en train d'utiliser un peu mes points. Bêtement, je suis en train de me dire que c'est la fin et tout, on s'en fout, mais au final ah mais non, mais je crois que je pourrais même pas revenir en arrière, parce qu'ils disent que on peut accéder à la zone du DLC et tout ça, mais je crois que c'est quand on était sorti en fait. Là je suis dans le QG, je
Je suis quasiment sûr qu'on peut pas ressortir sur la carte du monde. Donc je pense qu'on est bloqué. Ouais, c'est bon. Je vais voir. Ah, peut-être. Je vais voir vraiment si on peut le faire. Ah, vendeuse d'astiques. Ah, putain, t'es là, toi. C'est le robot. Comment vous êtes rentré ici? Ok, ça, oui, c'est vrai. Le mec, il a pas... Il peut pas nous répondre à chaque fois. D'accord. Ouais, ça nous aide, quoi. Ouais, vu qu'on n'a pas de marchand. L'armurerie, il n'y a plus personne à l'armurerie. Tu veux voir, là? You eager beavers heading out already? It's your call, but you should think about finishing up here first. D'accord. Ah ouais, donc on peut vraiment y aller? Ok, ça marche. Bon, on va s'arrêter là, en tout cas. Désolé pour... ce bordel. Mais ouais, ça se finit pas. C'est pas vraiment ce que je pensais. Je pensais vraiment pas que ça allait faire ça. Mais ouais, ça va. C'est sympa. On va pouvoir finir avec ce qu'on a. À la prochaine. Ciao, ciao.